La terreur, qui n'allait cesser qu'au bout de 28 ans, mais a-t-elle vraiment cessé, s'incarna pour la première fois, à ma connaissance, dans un bateau en papier journal dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquif vacilla, gita, puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons et descendit ainsi Witcham Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957 et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer, et depuis 2 jours le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en ciré jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie, moins drue, crépitait pour son oreille comme sur un toit de tôle, bruit agréable, presque rassurant. Il s'appelait George Denbrough et avait 6 ans. Son frère William, connu de la plupart des gosses de la communale comme des maîtres, qui ne se serait pas permis de l'appeler ainsi devant lui, sous le soubriquet de Bill le Bègue, octait à la maison les dernières quintes de toux d'un méchant rhume. En cet automne 1957, 8 mois avant les vrais débuts de l'épouvante qui allait durer 28 ans, Bill le Bègue avait 10 ans. C'est Bill qui avait conçu le bateau que faisait naviguer George. Il l'avait fabriqué dans son lit, adossé à une pile d'oreillers, tandis que leur mère jouait au piano « La lettre à Élise » dans le salon, et qu'au dehors, la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre. Un peu avant l'intersection au feu éteint, Witcham Street était interdite à la circulation par des fumigènes et 4 barrières oranges. Sur chacune, on pouvait lire « Travaux publics de Derry ». Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles agglutinées en tas épais. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, foré de petits trous dans la chaussée avant de l'emporter à grandes poignées à vide dès le 3e jour de pluie. À midi, le 4e jour, c'était par plaques entières que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Witcham et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé un peu nerveusement les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street, mais Witcham Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de l'avis général. La Kenduskid n'était pas sortie de son lit dans les friches mortes et était montée à quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Jusqu'à ce moment-là, une équipe d'hommes, qui comprenait entre autres Zack Denbrough, le père de Bill et de George, retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et coûté des millions de dollars. On avait retrouvé l'un des corps à 40 kilomètres de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les 2 yeux, le pénis, 3 doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue, et grâce au nouveau barrage de Bangor en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zack Denbrough, employé d'hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ces mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinait à l'art, comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte juste après les barrières, au bout d'une ravine creusée dans le goudron, selon une diagonale presque parfaite qui traversait Witcham Street. Elle aboutissait de l'autre côté de la rue, à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire, manifestation solitaire de joie enfantine, rayons de soleil trouant la grisaille de l'après-midi, tandis que son bateau était happé par les remous des rapides à échelle réduite qui dévalaient la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Witcham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs dont les boucles cliquetaient gaiement, alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein, à cet instant-là, d'un amour clair et simple pour Bill, amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill, dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, il écrivait bien, mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, s'en rendait compte lui-même. Bill savait raconter, mais surtout, il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry les samedis en matinée avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire et atteignit ainsi le caniveau gauche de Witcham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point, et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer.
Le bateau pencha de façon alarmante, et Georges poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter et se précipiter vers le carrefour. Georges accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale. Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la Kundenskig, la fièvre allait en décroissant, Bill venait de finir le bateau, mais le mit hors de portée lorsque Georges tendit la main. « Va me chercher la paraffine, maintenant. »« La quoi? C'est où ?»« Dans la cave, sur les tâgères, dans une boîte où il y a écrit « Gulf ».« Apporte-la-moi avec un couteau et un bol et des allumettes. » Georges ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau, plus sec et prétentieux, qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants, pas comme l'idée de la cave. Il ne l'aimait pas, et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill. Et pourtant, même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait. C'était si exquisement stupide qu'il n'aurait osé en parler à personne, car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton, pour le projeter dans les ténèbres au milieu des odeurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide. Des choses griffues et velues, bavant du venin, ça n'existait pas. De temps en temps, un type devenait cinglé et tuait plein de gens. Jack Huntley en parlait parfois au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes. Mais pas de monstre à la gomme habitant à la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers. Et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre. L'odeur d'une chose sans nom, ça sentait ça. Ça, qui était accroupi, prêt à bondir, une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande des petits garçons. Ce matin-là, il avait découvert la porte et cherché interminablement le bouton agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche, comme une racine cherchant désespérément l'eau dans un désert. « Marrant, tu parles. Tu t'es pas vu, Georges? Georges Calafrousse du Noir, quel bébé !» Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin, comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah ! Le tourne. Rien, pas de lumière. Oh, flûte ! Pas de courant ! Georges tira son bras comme d'un panier de serpent. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine. La panne d'électricité, évidemment. Il l'avait oublié. Jésus-Christ ! Et maintenant ? Allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier ? Pas à un communiste ou à un assassin maniaque, non, mais à quelque chose de pire. Qu'une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville. Un peu trop gros, tout de même. D'autres riraient, mais pas Bill. Il serait furieux. Il dirait « Grandis un peu, Georgie. Veux-tu ce bateau, oui ou non ?» Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre « Tu prends racine ou quoi, Georges ?»« Non, je l'ai, Bill, » répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. « J'en ai profité pour boire un verre d'eau. » « Grouille !» Il descendit donc les quatre marches qui le mettaient à la portée de l'étagère, le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde-à-vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine, et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de 100 films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles. L'odeur était pire que d'habitude à cause de l'inondation. La maison sur Wycham Street n'était pas loin du sommet de la colline et avait donc échappé au pire. Mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations et l'air empuanti invitait à ne respirer qu'à petits coups. Georges farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui encombrait l'étagère, des vieilles boîtes de cirage kiwi, des chiffons, une lampe à pétrole inutilisable, des bouteilles à peu près vides, une ancienne boîte plate de cire, la tortue. Celle-ci attira son attention sans raison. Et il passa bien 30 secondes, hypnotisé, à admirer la tortue qui ornait le couvercle. Puis il la rejeta et vit enfin derrière la boîte carrée avec le mot « Gulf » écrit dessus.
Georges s'en empara vivement et bondit vers la porte. Soudain conscient qu'un pan de sa chemise dépassait et convaincu que cela signifiait la fin pour lui, la chose dans la cave allait presque le laisser sortir, puis le saisirait par la chemise, le ferait tomber et... Il referma bruyamment la porte dans son dos. Il y resta appuyé, les yeux clos, transpirant du front et des aisselles, agrippé à la boîte de paraffine. Le piano s'arrêta et la voix de sa mère flotta jusqu'à lui. « Tu devrais la fermer un peu plus fort une autre fois, Georgie. Peut-être arriveras-tu à casser l'une des assiettes du service dans le dressoir, si tu essayes vraiment. » « Je m'excuse, maman. »« Hé, espèce de taré !» C'était Bill, parlant à voix basse pour ne pas être entendu de leur mère. Georges eut un petit reniflement. Sa peur s'était évanouie aussi rapidement qu'un cauchemar lorsqu'on se réveille et qu'on regarde autour de soi pour s'assurer que rien de cela n'était vrai. Un pied par terre, on en a oublié la moitié, sous la douche les trois quarts, et au petit déjeuner, il n'en reste plus rien. Plus rien, jusqu'à la prochaine fois, où sous l'emprise d'un nouveau cauchemar, toutes les frayeurs remonteront. « Cette tortue, se dit Georges en tirant le tiroir où se trouvaient les allumettes, où est-ce que je l'ai déjà vue ?» La question resta sans réponse, et il n'y pensa plus. Il prit les allumettes, le couteau, la lame tournée à l'extérieur, comme papa lui avait appris, et le petit bol qu'il trouva sur le dressoir dans la salle à manger, puis il retourna dans la chambre de Bill. « Qu'est-ce que t'es trouduc, Georgie ?» dit Bill d'un ton aimable, en repoussant l'attirail de malade qui encombrait sa table de nuit. Un verre vide, une carafe, des kleenex, des livres, un flacon de Vicks dont l'odeur resterait pour Bill éternellement associée aux bronches chargées et au nez coulant. Sans oublier le vieux poste Philco, qui ne jouait ni Chopin ni Bach, mais un air de Little Richard. Très doucement, si doucement même qu'il en perdait toute sa force primitive. Leur mère, pianiste formée à la Juilliard School, avait le rock'n'roll en horreur. « Je suis pas un trouduc, » dit Georges, qui s'assit sur le bord du lit et posa les objets sur la table de nuit. « Si !» Rien qu'un grand trouduc marron sur pattes. » Georges essaya d'imaginer un gosse correspondant à cette description et se mit à pouffer. « Ton trouduc est plus grand qu'Augusta, » dit Bill, qui pouffa à son tour. « Ton trouduc est plus grand que tout l'État, » répliqua Georges, ce qui suffit à plier les deux garçons en deux pendant plus d'une minute. S'en suivit une conversation à voix basse de celles qui n'ont de sens que pour les petits garçons, qui était le plus gros trouduc, qui avait le plus gros trouduc, quel trouduc était le plus marron, et ainsi de suite. Finalement, Bill lâcha l'un des mots interdits, accusant Georges d'être un gros trouduc marron merdeux. Ils éclatèrent de rire, ce qui déclencha une quinte de toux chez Bill. Elle s'atténuait un peu, le visage de Bill avait pris une teinte aubergine qui commençait à inquiéter Georges, lorsque le piano s'arrêta. Tous deux regardèrent en direction de la porte, l'oreille tendue vers le grincement du tabouret et le bruit des pas impatients de leur mère. Bill enfouit la tête dans le creux de son bras, étranglant la fin de la quinte, tout en indiquant la carafe de sa main libre. Georges lui versa un verre d'eau qu'il avala. Le piano reprit. De nouveau la lettre à Élise. Jamais Bill Lebeg n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnerait encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de Georges. » « Tu vas encore tousser, Bill ?»« Non. » Bill dira un kleenex dans lequel il fit tomber un crachat épais avant de le rouler en boule et de le jeter dans une corbeille, déjà à demi remplie de déchets identiques. Puis il ouvrit la boîte de paraffine et prit un cube à l'aspect cireux du produit dans le creux de sa main. Georges l'observait attentivement, mais en silence. Bill n'aimait pas être bombardé de questions quand il faisait quelque chose, et Georges savait que son frère finirait par lui donner des explications s'il se taisait. À l'aide du couteau, Bill coupa un petit morceau de paraffine qu'il plaça dans le bol. Puis il enflamma une allumette et la posa dessus. Les deux garçons observaient la petite flamme jaune tandis que le vent lançait des rafales affaiblies contre la fenêtre. « C'est pour l'imperméabiliser. Sinon, il va s'imbiber d'eau et couler, » dit Bill. Avec Georges, son bégaiement s'atténuait pour disparaître parfois complètement. À l'école, en revanche, il pouvait être tel qu'il lui était impossible de parler. Tandis que ses camarades regardaient ailleurs, il restait paralysé, étreignant les rebords de son bureau, la figure prenant peu à peu la même teinte rouge que ses cheveux, les yeux réduits à deux fentes par l'effort qu'il faisait pour chasser un ou deux mots de sa stupide gorge. La plupart du temps, les mots finissaient par sortir. Parfois, rien ne venait. Une voiture l'avait renversé quand il avait 3 ans, et il était resté 7 heures inconscient. Maman attribuait à cet accident l'origine du bégaiement. Georges avait quelquefois l'impression que son père, et Bill lui-même, n'en était pas aussi sûr. Dans le bol, la paraffine avait presque complètement fondu. La flamme pâlit, vacilla et s'éteignit. Bill plongea un doigt dans le liquide et le retira vivement avec un sifflement retenu. Il eut un sourire d'excuse. « Brûlant, » dit-il.
Au bout de quelques secondes, il recommença et se mit à badigeonner les flancs du bateau, où la paraffine, séchant rapidement, se transforma en une pellicule laiteuse. « Je peux en passer, moi aussi ?» demanda Georges. « Oui, mais n'en mets pas sur la couverture, sinon tu vas voir maman. » Georges plongea à son tour le doigt dans la paraffine encore chaude, mais supportable, et barbouilla l'autre côté du bateau. « Mais hey, pas tant trop duc !» fit Will. « Tu veux le faire couler dès sa première sortie ?»« Oh, excuse-moi. »« Ça va, ça va. Mais fais attention. » Georges termina son côté, puis tint le bateau dans ses mains. Il était un peu plus lourd, mais à peine. « Au poil !» dit-il. « Je vais aller le faire naviguer. »« Ouais, vas-y, » répondit Bill, l'air soudain fatigué et encore patraque. « Oh, je regrette que tu ne viennes pas !» Georges était sincère. Bill avait tendance à devenir autoritaire, mais il avait toujours les idées les plus chouettes et il ne le frappait à peu près jamais. « Après tout, c'est ton bateau, » ajouta-t'il. Ben, « Moi aussi, j'aurais aimé venir, » fit Bill d'un ton morose. « Eh bien, » Georges dansait d'un pied sur l'autre, le bateau à la main. « Mets ton ciré, sans quoi tu vas te choper un rhume comme moi. » Mais trop tard, sans doute, j'ai dû déjà te refiler mes microbes. Merci, Bill, c'est un bateau super. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et que Bill ne devait jamais oublier. Il se pencha sur lui et l'embrassa. À ce coup-ci, tu vas vraiment l'attraper, Trouduc, dit Bill. Mais il avait tout de même l'air content et il sourit à son frère. Et n'oublie pas de ranger ce bazar, sans quoi maman va grimper au rideau. Oh, t'en fais pas! Il ramassa les objets, traversa la chambre, le bateau en équilibre instable sur la boîte de paraffine, elle-même de travers dans le petit bol. Georges ! Georges se retourna pour regarder son frère. Fais attention ! Oui, bien sûr ! Son front se plissa légèrement. C'était quelque chose que disait maman, pas son grand frère, aussi étrange que le baiser qu'il lui avait donné. Bien sûr que je ferai attention ! Il sortit. Bill ne devait plus jamais le revoir. Il courait donc à la poursuite de son bateau du côté gauche de Witcham Street, aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance car l'eau dévalait plus vite encore. Son grondement allait s'amplifiant et il s'aperçut qu'à une cinquantaine de mètres en contrebas, elle quittait le caniveau pour cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore refermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir et, alors que Georges regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'est là que se dirigeait son bateau. « Oh, merde et merdouille !» s'écria-t-il consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir rattraper le bateau. Mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose et il alla s'étaler, s'écorchant le genou avec un cri de douleur. De ce nouvel angle au ras du sol, il vit l'embarcation tourner deux fois sur elle-même, momentanément prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. « Quelle stupide façon de perdre le bateau !» Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait... Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. Deux yeux jaunes le regardaient de là-dedans. Des yeux comme ceux qu'il avait imaginé le guettant dans la cave sans jamais les voir. « C'est un animal ?» pensa-t-il de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est, un animal, un chat, tout bêtement, qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans deux secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ses deux yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix, une voix agréable au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie !» fit-elle. Georges se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule, mais il avait 6 ans et non 16. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que Georges Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé, un mélange de Bozo et Clarabelle, celui, ou celle, Georges n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc, il avait deux touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de Georges. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire.
Georges lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre. « Oh oui, bien sûr, je le veux !»« Bien sûr, je le veux !» fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui !» Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent les étrangers. C'est mon papa qui me l'a dit. » « Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown du fond de son égout, toujours souriant. « Comment ai-je pu croire ?» se demandait Georges, qu'il avait des yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. « Tu as parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter. Georgie, je m'appelle Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou le clown cabriolant. Gripsou, je te présente Georges Danbrough. Georges, je te présente Gripsou. Eh bien, voilà, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre. Pas vrai ?» Georges pouffa. « T'es vrai ?» Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. « Mais comment t'es descendu là-dedans ?»« Oh, c'est la tempête qui nous a balayés, moi et tout le cirque, » répondit Gripsou. « Ne sentis pas l'odeur de cirque, Georgie ?» Georges se pencha. Ça sentait les cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections des bêtes fauves, sans oublier celle de la sûre. Et cependant, en dessous flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout, odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. « Ah oui, tu parles si je les sens !» s'exclama-t-il. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» demanda Gripsou. « Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça !» ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey ou Donald. « Oh si, j'y tiens !» dit Georges, toujours penché sur l'égout. « Et veux-tu aussi un ballon ? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. »« Et est-ce qu'il flotte ?» demanda Georges. « S'il flotte ?» Le sourire du clown s'élargit. « Mais comment ? Mais j'ai aussi de la barbe à papa !» Georges tendit la main. Le clown la lui prit, et Georges vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait Georges d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer. Georges détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de Georges vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardener, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au Sheboat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Danbrough perdit connaissance. Dave Gardener fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grand ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie. Quelque part en dessous, dans l'égout déjà plein à ras-bord ou presque, « Jamais personne n'aurait pu tenir là-dedans !» s'exclama plus tard le shérif du comté au journalisme du Derry News, dans un accès de rage qui frisait l'hystérie. Hercule lui-même aurait été emporté par le courant. Le bateau en papier journal de Georges fila le long de conduits obscurs en ciment dans le grondement et le chuintement de l'eau. Il avança quelques instants bord à bord avec un poulet crevé qui flottait sur le dos, ses pattes reptiliennes tournées vers le plafond dégoulinant. Puis, à quelques confluents à l'est de la ville, le volatile fut emporté sur la gauche, tandis que le bateau de Georges continuait tout droit. Une demi-heure plus tard,
tandis que la mère de Georges se faisait administrer un calmant en salle d'urgence à l'hôpital de Derry, et que Bill Lebeg restait pétrifié, blanc et silencieux dans son lit, écoutant sans les entendre les sanglots rauques de son père lui venant du salon, où sa mère jouait la lettre à Elise au moment où Georges était sorti. Le bateau surgit d'une évacuation à la vitesse d'un boulet de canon et se retrouva sur un bief qui le ralentit avant de le rejeter dans un cours d'eau sans nom. Lorsque 20 minutes plus tard il déboucha sur la Penobscot aux eaux gonflées et bouillonnantes, le ciel laissait apparaître ses premières déchirures bleues, la tempête était terminée. Le bateau plongeait, oscillait, prenait parfois l'eau mais ne coulait pas. Les deux frères l'avaient bien imperméabilisé. J'ignore où il finit par s'échouer, s'il s'échoua jamais. Peut-être atteignit-il la mer et y navigue-t-il pour l'éternité, comme les bateaux magiques des légendes. Je sais seulement qu'il était toujours gaillard à chevaucher les remous de l'inondation lorsqu'il franchit les limites administratives de Derry, et par là même, et pour toujours, celle de ce récit. Si vous tenez à savoir pour quelle raison Adrian portait ce chapeau, racontait plus tard son petit ami en larmes à la police, c'est parce qu'il l'avait gagné à la baraque Pichtilwin. Là-bas, on gagne toujours quelque chose. À la fête de Bassey Park, 6 jours avant sa mort. Et il en était fier. Il le portait parce qu'il aimait cette saloperie de ville, ajouta hystérique Don Haggerty. Allons, allons, inutile d'être grossier, lui répondit l'officier de police Harold Gardener. Harold Gardener était l'un des 4 fils de Dave Gardener. Il avait 5 ans le jour où son père avait découvert le cadavre amputé d'un bras de George Denbrou. Pas tout à fait 27 ans plus tard, à 32 ans, Harold se rendait bien compte de la réalité de la douleur et du chagrin de Don Haggerty, sans pouvoir toutefois le prendre au sérieux. L'homme, si l'on tenait à l'appeler ainsi, portait un pantalon de satin si serré qu'on pouvait lui compter les rides de la bite, sans parler du rouge à lèvres. Douleur ou pas, chagrin ou pas, ce n'était après tout qu'un PD, comme son ami feu Adrian Mellon. « On recommence, » intervint l'acolyte de Gardener, Jeffrey Reeves. « Vous êtes tous les deux sortis du Falcon, et vous avez pris la direction du canal. Et après ?» Mais combien de fois faudra-t-il vous le dire, bande d'idiots ? Haggerty criait toujours. Ils l'ont tué, ils l'ont jeté par-dessus bord. Juste un jour ordinaire à Machoville pour eux. Haggerty se mit à pleurer. Encore une fois, reprit Reeves patiemment, vous êtes sorti du Falcon. Et après ? Dans une autre salle, juste au bout du hall, 2 flics de Derry interrogeaient Steve Dubay, 17 ans. Dans un bureau du premier étage, 2 autres cuisinaient John Webby Garton, 18 ans. Et dans le bureau du chef de la police du 5e, le chef, Andrew Redmacher, et le juge d'instruction Tom Boutillier, tentaient de tirer les vers du nez de Christopher Unwin, 15 ans. Unwin, habillé d'un jean délavé, d'un t-shirt taché de graisse et de bottes de mécanicien, était en larmes. Redmacher et Boutillier s'occupaient personnellement de lui parce qu'ils avaient supposé, à juste titre, qu'il constituait le point faible du groupe. « Allez, on recommence, » dit Boutillier, exactement comme Reeves, quelques étages en dessous. « On ne voulait pas le tuer, » balbutia Unwin. « C'était le chapeau. On n'arrivait pas à croire qu'il oserait encore le porter après ce que Webby avait dit la première fois. On voulait juste lui faire peur, quoi. »« À cause de ce qu'il vous avait sorti, » intervint Redmacher. « Oui. » « Et de ce qu'il avait sorti à John Garton, plus précisément, l'après-midi du 17. »« Oui, à Webby. » Unwin éclata de nouveau en sanglots. « Nous avons essayé de le sauver quand nous avons vu que ça se passait mal. Au moins moi et Steve Dubay. » Mais on n'a jamais voulu le tuer. Oh, arrête ces salades, Christopher, dit Boutillier. Vous l'avez bien balancé dans le canal, non? Oui, mais... Et vous êtes venus tous les trois mettre les choses au point. Le chef Redmacher et moi, nous apprécions le geste, n'est-ce pas, Andy? Oui, comment? Il faut du courage pour ne pas renier ce qu'on a fait, Chris. Alors ne fais pas le petit con en te mettant à mentir maintenant. Vous aviez bien l'intention de le balancer par-dessus bord dès l'instant où vous l'avez vu sortir du Falcon avec son petit copain, n'est-ce pas? Non! Protesta Unwin avec véhémence. Boutillier sortit un paquet de Marlboro de sa poche de chemise. Il mit une cigarette à la bouche et étendit le paquet à Unwin. L'adolescent en prit une. Sa bouche tremblait tellement que le juge avait du mal à suivre la cigarette avec l'allumette. « Mais quand avez-vous vu qu'il portait le chapeau ?» reprit Redmacher. Unwin tira une grosse bouffée, pencha la tête, ses cheveux graisseux lui tombèrent dans les yeux, et rejeta la fumée par le nez qu'il avait piqueté de comédon. « Oui, » dit-il dans un souffle, si bas qu'il était presque inaudible. Boutillier s'inclina vers lui, un reflet brillant dans son œil brun. Il avait l'expression d'un prédateur, mais la voix restait douce. « Tu disais, Chris ?»« Je disais, oui, je crois. Je crois qu'on voulait le balancer, mais pas le tuer. » Sur ces mots, il releva les yeux, l'air malheureux, aux abois,
de quelqu'un d'incapable de comprendre les stupéfiants changements qui venaient d'avoir lieu dans sa vie depuis qu'il avait quitté la maison, la veille à 7h30, pour la dernière nuit de la fête du canal de Derry, avec ses copains. « Mais pas le tuer, » répéta-t-il. « Et ce type, sous le pont, je sais pas qui c'est. » « C'était quel genre de type ?» demanda Rettmacher, sans trop de conviction. Ils avaient déjà eu droit à ce couplet, et aucun des deux n'y croyait. Tôt ou tard, un homme accusé du meurtre finit par sortir le mystérieux inconnu. Boutillier lui avait même donné un nom, le syndrome du manchot, d'après une vieille série télévisée. « Le type en tenue de clown, » fit Unwin avec un frisson, « celui avec les ballons. » Les fêtes du canal qui s'étaient déroulées du 15 au 21 juillet avaient été un succès éclatant de la vie de tous, ou presque, à Derry. Un grand événement, autant pour le moral et le prestige de la ville que pour son portefeuille. La raison d'être de cette semaine de festivités était le centenaire de l'ouverture du canal qui traversait le centre-ville. C'était grâce à ce canal que la ville avait pu se livrer complètement au commerce du bois entre 1884 et 1910. De sa mise en service dataient les années de prospérité de Derry. On avait retapé la ville d'est en ouest et du nord au sud. On avait comblé et nivelé les nids de poules que certains citoyens prétendaient connaître depuis 10 ans. On avait renouvelé le mobilier des immeubles municipaux, dont on avait aussi ravalé les façades. On avait poncé le gros des graffitis les plus obscènes de Bassey Park, la plupart constitués de réflexions anti-homosexuelles à la logique glaciale comme « À mort les pédés » ou « Sida, train de Dieu pour l'enfer des homos », qui déparaient les bancs et la passerelle couverte au-dessus du canal, connue sous le nom de « Pont des baisers ». On avait ouvert un musée du canal dans 3 devantures de magasins inoccupés du centre-ville, pour y exposer les objets réunis par Michael Hanlon, bibliothécaire de la ville et historien amateur. Les plus vieilles familles de la région avaient prêté leurs pièces les plus précieuses, et pendant toute la semaine, près de 4000 personnes payèrent 25 cents chacune pour contempler des menus des années 1890, des outils de bûcheron des années 1880, des jouets d'enfants des années 20, et plus de 2000 photos et 9 courts-métrages sur la vie quotidienne à Derry au cours des 100 dernières années. La Société des Dames de Derry avait financé cette exposition non sans refuser d'admettre certaines des pièces proposées par Hanlon, comme la célèbre chaise à clochard des années 30 et des photos du massacre de la bande à Bradley. Néanmoins, ce fut un grand succès, et personne ne tenait tellement à voir ces témoignages sanglants. Il valait mieux mettre l'accent sur les choses positives. On avait dressé une énorme tente en toile rayée pour les rafraîchissements dans le parc de Derry. Des orchestres y jouaient tous les soirs. Bassey Park accueillit pour sa part une foire d'attractions avec des manèges et des stands tenus par des gens du cru. Un tramway spécial parcourait les secteurs historiques toutes les heures, avec pour terminus cette machine à sous criarde et avenante. C'était là qu'Adrian Mellon avait gagné le chapeau qui allait signer son arrêt de mort, un haut de forme avec une fleur et un bandeau sur lequel on lisait « J'aime Derry ». « Je suis crevé !» dit John Webby Carton. Comme ses deux amis, il était inconsciemment habillé à la Bruce Springsteen. Alors que si on lui avait demandé son avis sur le chanteur, il l'aurait sans doute traité de PD ou de nouille, et aurait professé son admiration pour des groupes hard comme Def Leppard, Twisted Sister et Judas Priest. Déchiré, les manches de son t-shirt exhibaient des bras lourdement musclés. Son épaisse tignasse châtaigne lui retombait sur un œil, plus John Cougar Millcamp que Springsteen. Des tatouages bleus ornaient ses biceps, des symboles ésotériques que l'on aurait dit tracés par une main d'enfant. « Je veux plus parler, » dit-il. « Dis-nous simplement ce qui s'est passé à la foire mardi après-midi, » fit Paul Hughes. Ce dernier était choqué et écœuré par toutes ces sorties d'affaires. Comme si la fête du canal, ne cessait-il de répéter, s'était achevée sur un événement prévu par tous, mais que personne n'avait osé inscrire au programme des réjouissances. Sans quoi, il se serait présenté ainsi. Samedi, 21h, grand concert de clôture avec l'orchestre du collège de Derry et les Barbershop Mélomènes. Samedi, 22h, feu d'artifice géant. Samedi, 22h35, le sacrifice rituel d'Adrian Mellon met officiellement fin aux festivités. « J'emmerde la foire !» répliqua Webby. « Dis-nous simplement ce que tu as dit à Mellon et ce qu'il t'a dit. »« Ah, oh, bordel !» fit Webby en roulant des yeux. « Allez, Webby !» intervint le partenaire de Hughes. Webby roula de nouveau les yeux et recommença. Carton avait vu les deux types, Mellon et Haggerty, partir en se tenant par la taille et en pouffant comme des filles. Il avait d'ailleurs tout d'abord cru qu'il s'agissait de filles, puis il avait reconnu Mellon, qu'on lui avait déjà montré. À ce moment-là, Mellon se tourna vers Haggerty et l'embrassa brièvement sur la bouche. « Oh, les mecs, je vais gerber !» s'était écrié Webby, dégoûté. Chris Unwin et Steve Dubail l'accompagnaient. Quand Webby leur indiqua le couple, Steve lui dit que l'autre PD s'appelait Don quelque chose, qu'il avait pris un gamin de Derry en stop et commencé à le peloter. Mellon et Haggerty avaient repris leur marche en direction des trois garçons, s'éloignant du Pitch Hill Win pour gagner la sortie de la foire.
Webby déclarerait plus tard aux policiers Hux et Conley qu'il avait été blessé dans son orgueil de citoyen de voir un enfoiré de PD avec un chapeau sur lequel était écrit « J'aime Derry ». C'était une ânerie, ce chapeau. Une réplique en papier d'un haut de forme avec une énorme fleur au-dessus, qui s'inclinait dans toutes les directions. Apparemment, ce truc stupide avait blessé encore plus profondément l'orgueil de citoyen de Webby Garton. Comme Mellon et Haggerty passaient toujours se tenant par la taille, Webby leur lança « Je devrais te faire bouffer ce chapeau, espèce d'enculé !» Mellon se tourna vers lui, battit coquettement des paupières et répondit « Si tu veux quelque chose à bouffer, chérie, j'ai beaucoup mieux que mon chapeau !» À ce stade, Webby avait décidé de refaire le portrait du PD. Dans la géographie de son visage, des montagnes allaient s'élever, des continents dérivés. Il ne laisserait personne suggérer qu'il était un suceur de queue. Personne. Il se dirigea vers Mellon. Inquiet, Haggerty essaya d'entraîner son ami, mais celui-ci ne bougea pas, toujours souriant. Garton déclara plus tard au policier que Mellon devait être certainement pété à quelque chose. « C'est vrai, » admit Haggerty, quand la question lui parvint par l'intermédiaire des policiers Gardener et Reeves. Il s'était pété avec deux beignets aux pommes et au miel, son seul repas de toute la journée. Ils avaient par conséquent été incapables de se rendre compte de la menace très réelle que représentait Garton. « Mais c'est tout Adrienne, ça ?» fit Don, qui, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir de papier, se barbouilla de maquillage scintillant. Il n'avait aucun sens du danger. Il faisait partie de ces doudingues qui croient toujours que les choses vont s'arranger toutes seules. Il aurait pu prendre une sérieuse raclée déjà à ce moment-là, si Garton n'avait pas senti quelque chose tapoter son coude. Un bâton blanc. Il se retourna et vit Frank Munchen, un autre membre de la police de Derry. « Laisse tomber, mon bonhomme, » dit-il à Webby. « Occupe-toi de tes affaires et fiche la paix à ces deux mignonnes. Va t'amuser plus loin. »« Vous avez pas entendu de quoi il m'a traité ?» protesta Garton avec véhémence. Unwin et Dubail l'avaient rejoint, et sentant venir les ennuis, tentèrent de l'entraîner. Mais il se débarrassa d'eux et les aurait frappés s'ils avaient insisté. Sa virilité venait de subir un affront qu'il fallait venger. Personne n'irait raconter qu'il suçait d'épines. Personne. « Il ne me semble pas qu'il t'ait traité de quoi que ce soit, » répliqua Manchan. « Il me semble par contre que c'est toi qui lui as parlé en premier. Et maintenant, dégage, fiston. J'ai pas envie de me répéter. »« Mais il m'a traité de pédé. »« Et aurais-tu peur qu'il ait raison ?» demanda Manchan, l'air sincèrement intéressé, ce qui eut le don de faire violemment rougir Garton. Pendant tout cet échange, Haggerty s'était efforcé, de plus en plus angoissé, d'entraîner Mellon avec lui. Il commençait enfin à y réussir quand Adrienne, par-dessus son épaule, lança d'un ton étouffé. « Au revoir, mon amour !»« La ferme, petit con !» dit sèchement Machen. « Pars-toi d'ici !» Garton voulut bousculer Mellon, mais Machen le retint. « Je pourrais bien te foutre au trou. À te voir faire, je me dis même que l'idée n'est pas si mauvaise. »« La prochaine fois, ça va faire vraiment mal !» beugla Garton en direction du couple qui s'éloignait. Des têtes se tournèrent pour le regarder. « Et si tu portes encore ce chapeau, je te tuerai !» « On n'a pas besoin de tente dans ton genre dans cette ville. » Sans se retourner, Mellon agita les doigts de sa main gauche. Ses ongles étaient rouges cerises et se déhancha exagérément. Garton voulut se dégager. « Un pas de trop et tu es au trou, » fit Machen d'une voix douce. « Fais-moi confiance, mon garçon, je ne plaisante pas. »« Allons, Webby, » intervint Chris Unwin, mal à l'aise. « Laisse tomber. »« Ah, vous aimez les mecs comme ça, vous ?» lança Webby à Machen. « Hein ?»« En ce qui concerne les tapettes, je reste neutre, » répondit le flic. « Ce qui me botte, moi, c'est la paix et la tranquillité. Et tu chahutes un peu trop ce que j'aime, tête de macaroni. Maintenant, si tu as envie que je m'occupe de toi... »« Allez, viens, Webby !» fit Steve Dubail d'un ton conciliant. « On va se payer des hot-dogs !» Garton s'éloigna, réajusta sa chemise avec des mouvements exagérés, puis remit sa mèche en place. Dans sa déposition le lendemain de la mort d'Adrienne Mellon, Machen déclara « La dernière chose que je l'ai entendu dire pendant qu'il partait avec ses copains, c'est... « Il va morfler la prochaine fois. »« S'il vous plaît, il faut que je parle à ma mère, » dit Steve Dubail pour la troisième fois. « Faut absolument qu'elle calme mon beau-père, sans quoi ça va barder quand je vais rentrer à la maison. »« Dans un petit moment, » lui répondit l'officier de police Charles Avarino. Tout comme son coéquipier Barney Morrison, il savait bien que Dubail ne rentrerait pas ce soir chez lui, ni même fort probablement les soirs suivants pendant longtemps. Le garçon n'avait pas l'air de se rendre compte de la gravité de son affaire, et Avarino ne trouva pas surprenant d'apprendre un peu plus tard que Dubail avait quitté l'école à 16 ans, époque à laquelle son QI était de 68 points sur l'échelle de Wechsler. Il venait de tripler sa cinquième. « Dites-nous ce qui s'est passé lorsque tu as vu Mellon sortir du Falcon, » l'encouragea Morrison. « Non, vieux, vaut mieux pas. »« Mais pourquoi donc ?» demanda Avarino. « J'ai peut-être déjà trop parlé. »« Mais tu es venu nous parler, non ?»« Eh bien, ouais, mais
« Écoute un peu, » fit Morrison d'un ton amical, s'asseyant à côté de lui et lui tendant une cigarette. « Tu nous prends pour des pédés, Chick et moi ?»« Je ne sais pas. »« Est-ce qu'on a l'air de pédales ?»« Non, mais nous sommes tes amis, Stevie, » reprit Morrison d'un ton solennel. « Et crois-moi, Chris, Webby et toi, vous avez maintenant besoin de tous vos amis en ce moment. Car demain, toutes les personnes sensibles dans cette ville vont hurler pour demander votre peau. » Steve Dubail parut vaguement inquiet. Avarino, qui lisait à livre ouvert à travers ce crâne épais, le soupçonna de penser encore à son beau-père. Et bien qu'il n'eût aucune tendresse particulière pour la petite communauté homo de Derry, comme les autres flics de la brigade, il aurait été ravi de voir fermer pour toujours le Falcon. Ramener Dubail chez lui ne lui aurait pas déplu. Il aurait même pris plaisir à tenir les bras de ce morveux pendant que le beau-père lui aurait flanqué une bonne correction. Avarino n'aimait pas les homosexuels, mais ça ne signifiait pas pour lui qu'il fallait les torturer ou les assassiner. Mellon avait été martyrisé. Lorsqu'on l'avait remonté de dessous le pont, le cadavre avait les yeux ouverts, exorbités de terreur. Et voilà que ce type-là n'avait pas la moindre idée de ce à quoi il avait participé. « On voulait pas lui faire de mal !» répéta Steve. C'était sa position de repli dès qu'il commençait à s'embrouiller. « C'est justement pour ça que tu peux jouer franc jeu avec nous, » fit le plus sérieusement du monde Avarino. « Tu dis la vérité, et si ça se trouve, il n'y aura pas de quoi fouetter un chat. N'est-ce pas, Barney ?»« Oh, pas un chaton, » admit Morrison. « Allez, encore un coup, » dit Avarino en geôleur. « Eh bien... » Et lentement, Steve commença à parler. Lorsque le Falcon ouvrit en 1973, Elmer Curti avait pensé que sa clientèle se recruterait avant tout parmi les voyageurs. Trois compagnies d'autocars se partageaient en effet le terminus voisin, Trailways, Greenhound et Aroostook County. Il avait oublié de tenir compte d'un fait, nombre de passagers des cars sont des femmes ou des familles avec des ribambelles d'enfants. Quant aux autres, ils ont leurs bouteilles au fond d'un sac en papier craft et ne quittent jamais le véhicule. Ne descendaient donc en général que des marins ou des soldats qui ne consommaient qu'une bière ou deux. Difficile de se cuiter en 10 minutes d'arrêt. Quand en 1977, Curti avait commencé à prendre conscience de la dure réalité, il était dans les dettes jusqu'au cou et ne voyait pas comment s'en sortir. L'idée de mettre le feu au Falcon pour toucher l'assurance lui vint bien à l'esprit, mais à moins de prendre les services d'un professionnel pour l'allumer, comment ne pas se faire prendre ? Et où trouvait-on les incendiaires professionnels de toute façon ? En février 1977, il se donna jusqu'au 4 juillet. Si à cette date les choses ne s'étaient pas améliorées, il mettrait la clé sous la porte et prendrait un Greyhound pour aller voir en Floride comment les choses se passaient. Mais au cours des 5 mois suivants, le bar connut une stupéfiante et paisible prospérité. Dans son décor noir et or ponctué d'oiseaux empaillés, taxidermiste amateur spécialiste dans les oiseaux, le frère d'Elmer était mort en lui laissant sa collection. Soudain, au lieu de tirer 60 demi et de servir une vingtaine de cocktails par soirée, il se mit à tirer 100 bières et à servir autant d'apéritifs. Certains soirs, presque 2 fois plus. La clientèle était jeune, courtoise et presque exclusivement masculine. Elle s'habillait souvent de manière extravagante, mais les tenues extravagantes en ces années-là étaient quasiment la norme, et ce n'est qu'en 1981 que Curtis se rendit compte que ses clients étaient presque tous homosexuels. Les habitants de Derry auraient ri de lui s'il leur avait fait cet aveu, et lui auraient demandé s'il les croyait nés de la dernière pluie, mais c'est pourtant la pure vérité. Comme le cocu de l'histoire, il fut le dernier au courant. Mais quand il le fut, il s'en contreficha. Il gagnait de l'argent, et si 4 autres établissements de Derry en faisaient autant, le sien était le seul que des clients mal embouchés ne démolissaient pas régulièrement. Il n'y avait pas de femmes, source de bagarres, et pédés ou non, ces types paraissaient connaître le secret pour se coudoyer sans s'affronter, contrairement aux hétérosexuels. Une fois au courant des préférences sexuelles de ses habitués, il eut l'impression d'entendre partout des histoires grivoises sur le Falcon. En fait, elles circulaient depuis des années. Ce qui les propageait avec le plus d'enthousiasme, s'aperçut-il, étaient des individus qui n'auraient pas mis les pieds au Falcon pour tout l'heure du monde, ce qui ne les empêchait pas d'avoir l'air au courant de tout ce qui s'y passait. D'après eux, on pouvait y voir des hommes danser joue contre joue en se frottant la queue en pleine piste de danse, des hommes s'embrasser à pleine bouche au bar, des hommes se faire tailler une pipe dans les toilettes. Il y aurait eu, paraît-il, une pièce un peu spéciale à l'arrière où un malabar attendait les amateurs en tenue nazie, le bras huilé jusqu'à l'épaule, prêt à remplir son office. Il n'y avait pas un mot de vrai là-dedans. Lorsque des assoiffés venaient du terminus des cars prendre une bière ou un cocktail, ils ne remarquaient rien de spécial. Certes, il y avait beaucoup de types, mais des milliers de bars, rendez-vous de travailleurs, étaient dans le même cas dans le pays. La clientèle était homosexuelle, mais pas stupide pour autant. Si elle désirait quelque chose d'un peu plus excitant, elle allait à Portland. Et si elle souhaitait du franchement cochon, il lui restait toujours New York ou Boston. Derry n'était qu'une petite ville de province, et sa communauté homo savait bien qu'elle ne devait pas faire de vagues.
Don Agarty était un habitué du Falcon depuis 2 ou 3 ans, lorsqu'il y était venu pour la première fois, un soir de mars 1984, accompagné d'Adrian Mellon. C'était jusque-là un dragueur impénitent, que l'on voyait rarement plus de 6 fois de suite avec la même personne. Mais il était devenu évident, vers la fin avril, même aux yeux de Curty qui ne s'en souciait guère, que la liaison de Mellon et Agarty serait plus durable. Agarty était rédacteur dans une entreprise d'ingénierie de Bangor. Adrian Mellon est un écrivain indépendant qui publiait n'importe où, magazines de compagnies aériennes et régionaux, suppléments du dimanche, journaux de courriers érotiques. Il avait un roman en cours, mais peut-être n'était-ce pas sérieux. Il l'avait commencé au collège et cela faisait 12 ans qu'il y travaillait. Il était venu à Derry pour écrire un article sur le canal pour le compte d'un bimensuel chic, le New England Byways, publié à Concord. Adrian Mellon avait accepté cette enquête parce qu'il avait pu obtenir de la revue 3 semaines de dépenses défrayées, avec notamment une agréable chambre au Derry Town House, et qu'il lui suffirait de 5 jours pour rassembler ses informations. Il comptait sur les 2 autres semaines pour en recueillir sur d'autres sujets, thèmes d'éventuels articles à venir. Mais au cours de ces 3 semaines, il rencontra Don Agarty, et au lieu de retourner à Portland une fois écoulé ce délai, il se trouva un petit appartement sur Cossus Lane. Il n'y habita qu'un mois et demi, après quoi il alla vivre chez Don. Cet été-là, confia Agarty à Harold Gardiner et à Jeffrey Reeves, avait été le plus heureux de sa vie. Il aurait dû se méfier, ajouta-t-il. Il aurait dû savoir que quand Dieu mettait un tapis aussi moelleux sous les pieds d'un gars comme lui, c'était pour mieux le faire tomber en tirant dessus. La seule ombre au tableau était la passion extravagante qu'Adrian manifestait pour Derry. Il avait un t-shirt sur lequel on lisait « Le Maine, c'est bien, Derry, c'est mieux ». Il portait une veste à la gloire des Derry Tigers du collège de la ville, et bien sûr, il y avait le chapeau. Il prétendait trouver l'atmosphère ambiante, roborative et stimulante pour la création. Peut-être était-ce vrai. Pour la première fois depuis 1 an, il avait sorti le manuscrit de sa valise. « Y travaillait-il vraiment ?» demanda Gardiner, qui ne s'en souciait guère, mais tenait à ce que Agarty reste motivé. « Oh oui, les pages défilaient. Il disait que ce serait peut-être un roman nul, mais pas un roman inachevé. Il pensait finir en octobre pour son anniversaire. » Bien sûr, il ignorait ce qu'était vraiment Derry. Il croyait le savoir, mais il n'y était pas resté assez longtemps. Il ne m'écoutait pas quand j'essayais de le lui expliquer. « Et c'est quoi, Derry, d'après toi, Don ?» demanda Reeves. « Ça ressemble beaucoup à une vieille putain crevée avec des asticots qui lui grouillent sur le con, » répondit Don. Les deux flics le regardèrent, muets de stupéfaction. « C'est un sale trou, » reprit Agarty. « Un véritable égout. Vous n'allez pas me raconter que vous l'ignorez, non? Vous avez passé toute votre vie ici, et vous ne le savez pas ?» Aucun des deux ne répondit. Au bout d'un moment, Agarty continua son récit. Jusqu'au moment où Adrian Mellon était entré dans sa vie, Don Agarty avait projeté de quitter Derry. Cela faisait 3 ans qu'il y habitait, avant tout parce qu'il avait signé un bail à long terme pour un appartement avec une vue fabuleuse sur la rivière, mais le bail arrivait à échéance et il s'en réjouissait. Fini les interminables trajets Derry-Bangor et retour. Fini les mauvaises vibrations. À Derry, avait-il dit un jour à Adrian, il avait l'impression qu'à midi les horloges sonnaient 13 coups. Si Adrian aimait Derry, Don en avait peur. Ça tenait surtout à l'attitude rigoureusement anti-homo de la ville, attitude clairement exprimée aussi bien par les prédicateurs que par les graffitis de Bassey Park, et contre laquelle il s'était un jour insurgé, ce qui avait fait rire Adrian. « Il n'y a pas de ville en Amérique, Don, qui n'ait son contingent d'anti-homo, » avait-il répondu. « Ne me dis pas que tu l'ignores. Après tout, c'est l'ère des Ronald Ringard et des Préchi-Précha. » « Viens donc faire un tour à Bassey Park, » avait-il répondu, lorsqu'il avait compris qu'Adrian était sincère quand il voyait en Derry une ville provinciale comme une autre. « Je vais te montrer quelque chose. » Et il s'était rendu à Bassey Park. C'était à la mi-juin, environ 1 mois avant le meurtre d'Adrian, dit Don au flic. Dans l'ombre, aux odeurs désagréables du pont des baisers, il avait montré l'un des graffitis à Adrian, qui avait dû craquer une allumette pour le déchiffrer. « Montre-moi ta queue, PD, que je te la coupe. »« Je sais ce que les gens pensent de nous, » avait dit Don. J'ai été rossé par des camionneurs à Dayton quand j'étais adolescent. À Portland, des types ont mis le feu à mes chaussures devant une baraque à sandwich pendant qu'un gros cul de flic restait assis dans sa caisse à se marrer. J'en ai vu pas mal, mais jamais rien comme ça. Tiens, regarde par là. Crevez les yeux de tous les PD, au nom de Dieu. Le mec qui a écrit ça ne peut être que complètement cinglé. Je me sentirais mieux s'il ne s'agissait que d'une personne, un isolé, mais... Don avait balayé d'un geste la longueur du pont. « Il y en a partout, et je ne crois pas l'auteur unique. C'est pour cela que je veux quitter Derry, Ad. Trop d'endroits et trop de gens ont quelque chose de profondément perverti. Ça peut tout de même attendre que j'aie fini mon roman, non? S'il te plaît, en octobre, je te le promets, pas plus tard. L'air est meilleur ici. »
Il ne savait pas, expliqua avec amertume Don au flic, que c'était de l'eau qu'il aurait dû se méfier. Sans dire un mot, Tom Boutillier et Harold Ravencher s'inclinèrent en avant. Chris Unwin, la tête basse, s'adressait d'un ton monocorde au plancher. C'était la partie qu'il ne voulait pas manquer, celle qui expédierait au moins deux de ces petits merdeux à Thomas Stone. « La foire valait plus le coup, » dit Unwin. « Il commençait à démonter tous les trucs qui vous secouent, vous savez, comme le plateau du diable et le parachute. Aux autotamponneuses, c'était marqué « fermé ». Il n'y avait que les manèges des gosses qui marchaient encore. Alors on est allé aux baraques de jeu. Webby a vu le pitch till win. Il a payé 50 cents et il a vu le même chapeau que le PD. Mais il n'arrivait pas à l'accrocher, et à chaque fois qu'il le manquait, il était encore plus de mauvaise humeur. Et puis Steve, d'habitude, il dit tout le temps « il n'y a qu'à laisser tomber. Laisse tomber, ça vaut pas le coup. » Vous comprenez ? Sauf qu'il était surexcité comme un malade parce qu'il avait pris cette pilule, vous savez. Quelle pilule ? Je sais pas. Rouge, peut-être même légale, mais il arrêtait pas de tanner Webby, et j'ai bien cru qu'il allait le cogner. « T'es même pas foutu de gagner ce chapeau de PD qui disait « Faut-il que tu sois taré pour le rater comme ça ?» Finalement, la bonne femme lui a donné un prix alors que l'anneau était même pas tombé dessus, juste pour se débarrasser de nous, je crois. Je sais pas, mais il me semble. Un truc qui fait du bruit, vous savez, on souffle dedans, ça gonfle et ça fait comme un P en se déroulant. Et puis, comme la foire allait fermer, on est sorti, et Steve n'arrêtait pas d'asticoter Webby parce qu'il avait raté le chapeau. Et Webby ne disait rien, mais c'est pas bon signe quand il la ferme comme ça. Je savais que j'aurais dû essayer de changer de sujet de conversation, mais je trouvais rien, vous comprenez ? Alors, une fois dans le parking, Steve a dit « Où vous allez ? À la maison ?» Et Webby a répondu « Allons tout d'abord faire un tour au Falcon, voir si on trouve pas ce PD. » Ravencher et Boutillier échangèrent un regard. Du doigt, le juge se tapota la joue. Ce petit con en bottes de mécanicien l'ignorait, mais il parlait maintenant de meurtre avec préméditation. « Alors, moi j'ai dit « Il faut que je rentre à la maison. » Et Webby a dit « Bah, t'as la trouille d'aller à ce bar de PD ?» Et moi j'ai répondu « Non, t'es con. » Et Steve, qui était toujours pété ou je savais pas quoi, a dit « Allez, on va tabasser une de ses tantes, on va tabasser une de ses tantes. » Le minutage des itinéraires des uns et des autres n'aurait pas pu être pire. Mellon et Agarty quittèrent le Falcon après avoir pris deux bières, passèrent à pied devant le terminus d'autocar et se prirent par la main sans même y penser. Un geste spontané. Il était 10h20. À l'angle de la rue, ils tournèrent à gauche. Le pont des Baisers était à un peu moins d'un kilomètre en amont, et ils avaient l'intention de traverser par le pont de la Grand Rue, Main Street Bridge, qui était moins pittoresque. La Kentuckskig était à son étiage le plus bas de l'été, 1 mètre d'eau environ, qui contournait paresseusement les piliers de ciment. Quand la voiture arriva à leur hauteur, Steve les avait repérés dès leur sortie du Falcon et s'était mis à jubiler. Ils abordaient le pont. « Blockley, Blockley !» cria Webby Garton. Les deux hommes venaient de passer sous un lampadaire, et il avait remarqué qu'ils se tenaient par la main, ceux qui l'avaient mis en rage. Mais pas autant que le chapeau. La grande fleur de papier s'inclinait stupidement de ci, de là. « Blockley, nom de Dieu !» Ce que fit Steve. Chris Unwin nia avoir participé activement à ce qui suivit, mais ce ne fut pas ce que raconta Don Agarty. D'après lui, Garton bondit de la voiture avant même qu'elle ne fût arrêtée, rapidement suivi par les deux autres. Échange verbal, mais du genre mauvais. Il n'y eut ni désinvolture, ni fausse coquetterie de la part d'Adrian, conscient qu'ils étaient dans de très mauvais draps ce soir-là. « Donne-moi ce chapeau, » dit Garton. « Donne-le-moi, PD. »« Et tu nous laisseras tranquille si je te le donne ?» Adrian haletait de peur et regardait tour à tour Unwin, Dubaï et Garton, les larmes aux yeux, l'air terrifié. « Donne-le-moi, bordel !» Adrian le lui tendit. Garton sortit un cran d'arrêt de la poche de son jean et le réduisit en morceaux qu'il frotta contre le fond de son pantalon. Puis il les laissa tomber et les piétina. Don Agarty profita de ce que l'attention du groupe se concentrait sur Adrian et le chapeau pour s'éloigner un peu, à la recherche d'un flic, d'après ce qu'il déclara. « Et maintenant, vas-tu nous laisser ?» commença Adrian Mellon, mais Garton le frappa au visage à cet instant-là, l'expédiant contre le garde-fou à hauteur de taille du pont. Adrian hurla et porta les mains à la bouche. Du sang se mit à couler entre ses doigts. « Adrian !» cria Agarty, qui revint courant. Dubaï lui fit un croche-pied. Il s'était là, et Garton, d'un coup de botte à l'estomac, l'envoya rouler sur le trottoir dans la rue. Une voiture passa. Se redressant sur les genoux, Agarty hurla un appel. Elle ne ralentit pas. Le conducteur, dit-il à Gardener et Reeves, ne tourna même pas la tête. « La ferme, PD !» Dubaï accompagna son ordre d'un coup de pied à la mâchoire. À demi inconscient, Agarty s'effondra sur le rebord du caniveau. Un moment plus tard, il entendit une voix, celle de Chris Unwin, qui lui disait de se barrer avant de connaître le même sort que son petit copain.
cet avertissement apparut aussi dans la déposition de Nguyen. Haggerty entendait des coups sourds et les hurlements de son amant. Adrian était comme un gibier piégé, dit-il à la police. Haggerty rampa jusqu'au carrefour et vers le terminus brillamment éclairé, mais se retourna à un moment donné pour regarder. Adrian Mellon, qui mesurait moins d'1,70 m et devait faire tout au plus 60 kg tout mouillé, servait de punching ball à Garton, Dubaï et Nguyen dans une sorte de jeu à trois. Son corps avait les sursauts désarticulés d'une poupée de chiffon. Il le frappait, le rouait de coups, déchirait ses vêtements. Ses cheveux lui retombaient sur les yeux, le sang qui coulait de sa bouche imbibait sa chemise. Garton cogna à l'aine pendant que Haggerty regardait. Webby portait deux lourdes bagues à la main droite. L'une était celle du collège de Derry, l'autre venait du cours de travaux pratiques et était son œuvre. Les initiales entrelacées qui l'ornaient, D, B, étaient celles d'un groupe hard qu'il admirait particulièrement, les Deadbugs. Les bagues avaient ouvert la lèvre supérieure d'Adrian et cassé trois dents au ras de la gencive. « Au secours !» s'égosilla Haggerty. « Au secours! Ils sont en train de le tuer! Au secours !» Noir, secret, les immeubles de Main Street formaient une masse compacte. Personne ne se dérangea, pas même depuis cet îlot de lumière que constituait le terminus. Haggerty n'arrivait pas à le concevoir. Des gens s'y trouvaient. Il les avait vus en passant devant avec Adrian. Aucun d'eux ne viendrait donc à leur aide, aucun. « Au secours! Ils vont le tuer! Au secours! Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu !»« À l'aide !» murmura avec un fou rire une toute petite voix à la gauche de Don. « On le balance !» vociférait maintenant Garton avec de grands éclats de rire. Tous les trois, dit Haggerty à Gardener et Reeves, n'avaient cessé de rire tout en rouant Adrian de coups. « On le balance par-dessus bord !»« Par-dessus bord! Par-dessus bord !» chantonnait Dubaï. « À l'aide !» fit de nouveau la petite voix, toujours pouffant. On aurait dit celle d'un enfant qui ne peut se retenir. Haggerty baissa les yeux et vit le clown. Et c'est à partir de cet instant que le récit de Don perdit toute crédibilité aux yeux de Gardener et de Reeves, car la suite était une véritable histoire de fou. Plus tard, cependant, Gardener se posa des questions. Quand il découvrit que le jeune Unwin avait également vu un clown, ou croyait en avoir vu un, il se demanda s'il n'y avait pas là quelque chose. Mais son collègue, apparemment, ne se posa pas de questions, ou tout du moins n'en parla pas. Le clown, d'après Haggerty, tenait à la fois de Ronald McDonald et de Bozo, le clown de la télé. Ce fut ce qui lui vint en premier lieu à l'esprit, à cause des deux touffes hirsutes de cheveux orange. Mais, en y repensant, il dut admettre que le clown ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Le sourire peint sur le masque blanc était rouge et non orange, et les yeux avaient un étrange reflet argenté. Des lentilles de contact, peut-être. Mais quelque chose en lui restait persuadé que ce reflet argenté était la véritable couleur de ses yeux. Le clown était habillé d'un ample vêtement avec de gros pompons orange en guise de boutons et portait des gants de dessin animé. « Si tu as besoin d'aide, Don, » dit le clown, « aide-toi d'un de ces ballons. » Et il lui tendit ce qu'il tenait à la main. « Il flotte, » reprit le clown. « En bas, nous flottons tous. Dans pas longtemps, ton ami va flotter lui aussi. » « Ce clown t'a appelé par ton nom, » fit Jeff Reeves d'un ton parfaitement neutre. Par-dessus la tête inclinée de Don, il adressa un clin d'œil à Gardener. « Oui, » dit Haggerty sans lever les yeux. « Je sais ce que vous pensez. »« Donc vous l'avez balancé par-dessus bord, » dit Boutillier. « Non, pas moi, » protesta Unwin en relevant la tête. Il chassa les cheveux qu'il avait devant les yeux d'une main et regarda les flics d'un air implorant. « Quand j'ai compris qu'il voulait vraiment le faire, j'ai essayé d'entraîner Steve parce que je savais que le type risquait d'être massacré. Il y avait bien 3 mètres jusqu'à la flotte. » « Pas 3, 7. » L'un des hommes de Ratmatcher avait pris soin de mesurer la hauteur. « Mais on aurait dit qu'il était cinglé. Il n'arrêtait pas de crier tous les deux « Par-dessus bord, par-dessus bord !» Ils l'ont attrapé, Webby par le bras, Steve par le fond du pantalon et... » Lorsque Don Haggerty comprit ce qu'il voulait faire, il revint précipitamment vers eux en hurlant à plein poumon. « Non, non !» Kristen Wynne le repoussa violemment et Haggerty alla atterrir sur le trottoir dans un bruit de dents qui s'entrechoquaient. « Tu veux passer par-dessus bord, toi aussi ?» siffla Chris entre ses dents. « Tu files, mignonne !» Les deux autres lancèrent à ce moment-là Adrian Mellon par-dessus le garde-fou. Haggerty entendit le « plouf » qu'il fit en touchant l'eau. « Barrons-nous d'ici !» lança Steve avant de repartir avec Webby vers la voiture. Christ Unwin alla regarder par-dessus le garde-fou. Il aperçut tout d'abord Haggerty, qui avançait vers la berge encombrée d'ordures au milieu des herbes, titubant et perdant l'équilibre à chaque instant, puis le clown. D'un seul bras, le clown se mit à tirer Adrian vers l'autre rive sans lâcher les ballons qu'il tenait de l'autre main. Adrian dégoulinait, s'étouffait, gémissait. Le clown leva la tête et sourit à Chris. Chris dit qu'il vit ses yeux qui brillaient comme de l'argent, et ses dents, grandes et énormes,
comme celle d'un lion de cirque, ajouta-t-il. Vraiment grosse comme ça. Puis le clown tira sur l'un des bras de Mellon, l'amenant à hauteur du rivage. Et alors, Chris ? Demanda Boutillier. Cette partie du récit lui cassait les pieds, comme les contes de fées depuis ses 8 ans. Je sais pas. Steve m'a attrapé à ce moment-là et m'a tiré vers la voiture. Mais je crois qu'il l'a mordu au creux du bras. Il leva de nouveau les yeux, l'expression incertaine. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Qu'il l'a mordu au bras, comme s'il voulait le bouffer, les mecs, comme s'il voulait lui bouffer le cœur. Non, affirma Agarty quand on lui présenta la version de Chris sous forme de question. Le clown n'a pas tiré Adrian jusqu'à l'autre rive. Ce n'était pas ce qu'il avait vu, mais il admettait qu'arrivé à ce stade, il était loin d'être un observateur impartial. À ce stade, il s'était senti devenir fou. Le clown, selon lui, se tenait sur la berge opposée, le corps d'Adrian dégoulinant d'eau ou de sang entre les bras. Le bras droit du malheureux passait, raide, derrière la tête du clown, et la tête du clown se trouvait bien dans le creux de ce bras, mais il ne le mordait pas. Il souriait. Agarty maintenait l'avoir vu sourire. Les bras du clown s'étaient tendus, et Don avait entendu les côtes craquer. Adrian hurla. « Viens flotter avec nous, Don !» fit le clown de sa grande bouche écarlate et souriante, puis il montra le dessous du pont d'une de ses mains gantées de blanc. Des ballons flottaient, prisonniers de l'arche, non pas une douzaine, ou une douzaine de douzaines, mais des milliers, rouge, bleu, vert, jaune, et surtout, on pouvait lire « J'aime Derry ». Ça fait tout de même un joli paquet de ballons, fit Reeves en adressant un autre coup d'œil à Gardener. « Oh, je sais ce que vous pensez, » répéta Agarty du même ton lugubre. « Tu as bien vu tous ces ballons ?» fit Gardener. Lentement, Agarty leva les mains à la hauteur des yeux. « Aussi clairement que je vois mes propres doigts en ce moment. Des milliers. On ne pouvait même plus voir le dessous du pont. Il y en avait trop. » Ils ondulaient un peu et s'agitaient plus ou moins de haut en bas. Ça faisait un bruit, un curieux bruit grinçant. Ils frottaient les uns contre les autres. Et les ficelles, une vraie forêt de ficelles blanches qui pendaient. On aurait dit des fils de toile d'araignée. Le clown a emporté Adrian là-dessous. J'ai vu son costume qui effleurait les fils blancs. Adrian râlait horriblement, comme s'il étouffait. J'ai voulu aller l'aider, et le clown m'a regardé. J'ai vu ses yeux et j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. « Et à qui, Don ?» demanda doucement Gardener. « À Derry, cette ville. »« Hein ? Et qu'est-ce que tu as fait, alors ?»« Je me suis enfui, pardi, espèce d'abruti !» fit Agarty en éclatant en sanglots. Harold Gardener resta en paix avec lui-même jusqu'au 13 novembre, la veille du jour où John Garton et Steve Dubail devaient comparaître devant le tribunal de Derry pour le meurtre d'Adrian Mellon. Il alla voir Tom Boutillier pour lui parler du clown. Boutillier ne voulait pas revenir là-dessus, mais il se rendit compte que Gardener risquait de faire des bêtises s'il n'avait pas un petit entretien. Il y fut bien forcé. Il n'y avait pas de clown, Harold. Les seuls clowns cette nuit-là, c'étaient les 3 gosses. Et tu le sais aussi bien que moi. Mais nous avons 2 témoins. Oh, foutaise! Unwin a décidé de nous faire le coup du manchot dès qu'il a compris qu'il avait mis les pieds dans une affaire qui sentait mauvais. Quant à Agarty, il était hystérique. Il était là, impuissant, alors que ces 3 mômes massacraient son meilleur ami. Je suis surpris qu'il n'ait pas vu des soucoupes volantes. Mais Boutillier n'était pas parfaitement convaincu. Gardener le comprenait à son regard, et la manière dont le juge d'instruction cherchait à noyer le poisson l'irritait. « Allons, dit-il, il s'agit de témoins indépendants. Ne me monte pas le bourrichon. »« Ah, tu crois que je te monte le bourrichon ? Imaginerais-tu par hasard qu'il y avait vraiment un clown vampire planqué sous Main Street Bridge ? Pour moi, c'est ça, se monter le bourrichon. » »« Non, pas exactement, mais... » Ou encore croire qu'à cette histoire d'un milliard de ballons qu'aurait vu Agarty sous le pont, chacun portant la même inscription que celle qui figurait sur le chapeau de son amant. Ça aussi, c'est se monter le bourrichon. Oui, vu comme ça, évidemment. Alors, pourquoi te mettre martel en tête avec ça? Arrête un peu avec le contre-interrogatoire, veux-tu? Rugit Gardener. Tous les deux ont décrit la même chose, et aucun des deux ne savait ce que l'autre disait. Boutillier était jusqu'ici resté assis à son bureau, jouant avec un crayon. Il le déposa, se leva et se dirigea vers Gardener. Ce dernier avait beau faire 12 centimètres de plus, il recula d'un pas devant la colère de l'autre. « Tiendras-tu à perdre cette affaire, Harold ?»« Non, bien sûr, mais voudrais-tu que ces petites ordures se promènent en liberté ?»« Non. »« Bon, alors parfait. Puisque nous sommes tous les deux d'accord sur l'essentiel, je vais te dire le fond de ma pensée. Oui, il y avait peut-être bien un homme sous le pont ce soir-là. » Peut-être bien habillé en clown, même si, après tout ce que j'ai vu en matière de témoignage, il ne s'agissait sans doute que d'un clochard avec des frusques de récupération. Je crois qu'il était en bas à la recherche de pièces de monnaie ou de restes de bouffe, la moitié d'un hamburger jeté par quelqu'un ou les miettes au fond d'un sachet de frites.
ce sont les yeux qui ont fait le reste, Harold. N'est-ce pas vraisemblable ? Je ne sais pas, avoua Harold. Il ne demandait qu'à se laisser convaincre, mais étant donné la similitude des deux témoignages, non, ce n'était pas vraisemblable. Et le fond de ma pensée est le voici. Je me fiche de savoir s'il s'agissait de Kinko le clown, d'un type déguisé en oncle Sam sur échasse, ou d'Hubert le joyeux pédé. Si nous en parlons dans cette affaire, leur avocat va se jeter dessus comme la vérole sur le bas clergé. Il racontera que ces deux agneaux innocents, bien proprets dans leur costume neuf, n'ont fait que jeter Mélone par-dessus le pont en manière de plaisanterie. Il fera remarquer qu'il était encore vivant après sa chute, grâce au témoignage de Nguyen et surtout de Haggerty. Je l'entends d'ici. Bien sûr que non, mes chers clients n'ont pas connu de meurtre. C'était un cinglé en costard de clown. Si on en parle, c'est ce qui va se passer, et tu le sais aussi bien que moi. Mais Nguyen, il va en parler, lui. Mais Haggerty, non, remarqua Boutillier. Il a compris, lui. Et sans Haggerty, qui croira une Nguyen ? Il y a nous, fit Gardener avec une amertume qui le surprit lui-même. Mais je suppose que nous ne dirons rien. Oh, arrête de me pomper, rugit Boutillier. Ils l'ont tué. Ils se sont pas contentés de le foutre à l'eau. Garton avait un cran d'arrêt. Mélone a été frappé à 7 reprises, y compris une fois au poumon gauche et 2 au testicule. Les blessures correspondent à la lame. Il a eu 4 côtes brisées, le travail de Dubaï quand il l'a serré dans ses bras. D'accord, il a été mordu au bras, à la joue gauche et au cou. Ça, c'est Nguyen et Garton, à mon avis, même si nous n'avons qu'une seule empreinte assez claire, mais qui ne le sera pas assez aux yeux de la cour. Et enfin, il y a tout le morceau manquant au bras. Et après, l'un d'eux adorait mordre, c'est tout. Je parie pour Garton, même si nous ne pourrons jamais le prouver. Et j'oubliais le lobe de l'oreille gauche de Mélone, disparu aussi. Boutillier s'arrêta, fusillant Harold du regard. « Si nous nous empêtrons dans cette histoire de clown, jamais nous n'aurons leur peau. C'est ce que tu veux ?»« Mais non, je te l'ai dit. » »« Ce type était une tente, mais il ne faisait de mal à personne, » reprit Boutillier. « Et voilà qu'arrivent ces 3 pieds nickelés avec leurs bottes de mécano qui le tuent pour se marrer. Je vais les foutre au placard, mon vieux. Et si jamais j'entends dire qu'ils se sont fait baiser leur petit trou du cul à Thomaston par les grands, je leur enverrai des cartes postales avec dessus... J'espère qu'il avait le sida. Quelle fougue, pensa Gardener. Et ces condamnations feraient un excellent effet sur tes tablettes quand tu te présenteras au poste de procureur dans 2 ans. Mais il partit sans rien ajouter, car lui aussi voulait les voir à l'ombre. John Weber Garton fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de 10 à 20 ans de réclusion à passer dans la prison d'État de Thomaston. Stephen Bishop Dubaï fut déclaré également coupable de meurtre et condamné à 15 ans de réclusion à la prison d'État de Shawshank. Mineur, Christopher Philip Unwin eut droit à un procès séparé. Déclaré coupable d'homicide involontaire, on le condamna à 6 mois avec sursis au centre de rééducation pour mineurs de Suswindham. Pour l'instant, les 3 condamnations sont en appel. On peut voir à peu près tout le temps Garton et Dubaï en train de mater les filles ou de jouer à lancer des piécettes dans Bassey Park. Non loin de l'endroit où on a retrouvé le corps déchiqueté d'Adrian Mellon qui flottait, arrêté par l'un des piliers de Main Street Bridge. Don Haggerty et Kristen Nguyen ont quitté la ville. Lors du procès principal, celui de Garton et Dubaï, personne ne fit allusion au clown.